Depuis 25 ans, le hameau de Gournay et son club de foot, la SSG, organisent un tournoi de foot Benjamin d'un type un peu particulier. Celui-ci permet aux enfants de rencontrer des équipes françaises et européennes de renommée. C'est effectivement le 25e anniversaire du tournoi Jean-Pierre Delaunay. Ça a commencé donc le tournoi aux pupilles et l'évolution des catégories a fait qu'on est passé par les Benjamins et maintenant les U13. 25 ans, c'est beaucoup de travail et beaucoup de bénévoles qui ont filé un coup de main, qui se sont succédés durant toutes ces années. Aujourd'hui, ce 25e anniversaire, on le fête avec 9 équipes sur 2 joueurs, ce qui est exceptionnel puisque d'habitude c'est seulement sur une journée, le jeudi de l'Ascension. Là, on a voulu inviter plus d'équipes internationales et que la fête dure 2 jours pour vraiment fêter cet événement, ce 25e anniversaire. Maintenant, ce 25e anniversaire, on a pu le réaliser grâce à l'aide de la municipalité, de nos sponsors qui évidemment ont donné un coup de main. Et ça a été un travail avec mon équipe, parce qu'on est 7 à s'occuper du tournoi, 7 à travailler et à travailler durement, je dirais, cette année, parce que ça a été très compliqué pour plein de raisons, pour trouver les équipes, pour trouver les sponsors, tout ça, c'est vraiment de plus en plus dur. Mais il y en a beaucoup qui ont répondu présent, qui nous permet d'avoir un beau plateau encore aujourd'hui. Et il y a Dortmund, il y a le Legia Varsovie, il y a Braga, donc en équipe étrangère. On a Bastia et Ajaccio, les insulaires de Corse qui sont venus aussi. Et le HAC, et la région est représentée par Évreux, Gonfreville et Gournay. Donc c'est une fête à la fois régionale, nationale et internationale, donc c'est un vrai plaisir. Sinon, durant ces 25 ans, il y a eu bon nombre d'équipes qui ont défilé. Il y a eu le Milan AC, qui est un des plus prestigieux. Il y a eu le Spartak Moscou, il y a eu Bruges, il y a eu Anderlecht, il y a eu Boavista, il y a eu Porto, Benfica, il y a eu pas mal d'équipes, Tottenham, j'en oublie sûrement, et beaucoup de grosses pointures françaises, donc Marseille, Paris, Lens, Lille, Montpellier, j'en oublie sûrement. Mais ça a été vraiment un vrai plaisir d'organiser cet anniversaire, et j'espère que tout le monde va prendre du plaisir avec les enfants.